وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة الفلق الله تعالى دي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد concernant الفلق والناس qui s'appelle le Maw'idhatani, les deux avec lesquels on se préserve, bi'idhnillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Aqba ibn Amir, apporté par Muslim, il m'a été révélé cette nuit deux sourates, comme il n'a jamais été révélé. Et il a dit, al-Maw'idhatayn, c'est-à-dire, qul al-falaq et al-nas. Dans sa parole où il dit, je n'ai jamais vu de telles sourates révélées, c'est-à-dire avec lesquelles on peut se protéger, bi'idhnillah. La cause de la révélation de ces deux sourates, comme il a été dit dans le hadith de Zayd ibn Arqam, ce hadith il est sahih, qu'un juif avait ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et il avait jeté ce sort dans un puits. Alors Jibril alayhi salat wa sallam est descendu avec ces deux sourates. Allah Ta'ala il a révélé ces deux sourates au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali ibn Abi Talib d'aller chercher le sort qui avait été jeté dans le puits. Car dans une autre version, qui sont aussi véridiques, deux anges étaient venus. Un au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre à sa tête. Et ils lui ont dit où était le sort. Alors il a ordonné à Ali ibn Abi Talib d'aller le chercher. Quand il a été le chercher, à chaque fois qu'il déliait un nœud, il récitait un verset. Il récitait un verset dessus. Comme il a été rapporté dans le hadith, donc parmi les versets de Al-Falaq et Al-Nas. Donc voilà la cause de pourquoi ces deux sourates ont été révélées. De même, il y a d'autres versions aussi véridiques qui parlent exactement du problème que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Le sort qui lui avait été jeté, c'est qu'il ne faisait rien et que c'est comme s'il approchait ses femmes, alors qu'il ne faisait rien. Naam. Aussi, dans le hadith sahih rapporté par l'imam Ibn Majah, hadith d'Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiyallahu anhu, qui a été authentifié par notre cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Ibn Majah. Abu Sa'id a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de demander protection à Allah, tabarak wa ta'ala, contre le mauvais œil des djinns, contre le mauvais œil des hommes, contre le mal. C'est-à-dire, il demandait, il faisait plusieurs formules de protection contre le mauvais œil et le mal. Mais quand Allah, tabarak wa ta'ala, a révélé ces deux sourates, il a délaissé toutes ces formules-là et il s'est attaché à ces deux sourates. Ça, c'est en ce qui concerne la cause de la révélation de ces deux sourates. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Qul » dit « Muta'awwidhan » et dit en prenant protection auprès d'Allah. « A'udhu alja'u wa aludhu wa a'tasimu » Je retourne et je prends protection et en m'attachant à qui ? Au Seigneur, Rabb al-Falaq. Al-Falaq, dans sourate al-An'am, il est venu le détail de qu'est-ce que c'est Al-Falaq. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans versets 95 et 96, certes Allah ta'ala c'est lui qui fait éclater la graine et le noyau. Et juste le verset d'après, Faliqul Isbah, celui qui fait éclater le jour. Donc quand on dit Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, dit ô Muhammad, tous les ordres qui sont pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont pour sa communauté, sauf s'il y a une preuve que c'est spécifique à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les ordres qu'on trouve dans le Coran, où Allah ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais telle chose, délaisse telle chose, etc. C'est aussi des ordres pour toute sa communauté, sauf s'il y a une qarina, un élément qui vient prouver que cet ordre-là ou cette interdiction-là est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quand Allah ta'ala dit khalisatan laka min dunil mu'minin, spécifiquement pour toi, sans les croyants, par exemple, ou d'autres. Naam. Donc, quand Allah ta'ala lui dit au Mohammed et dites ô vous les musulmans, je prends protection auprès du Seigneur du jour éclatant. Pourquoi du jour éclatant? Car quand la lumière vient, elle éclate, elle fend la nuit, comme les noyaux et comme les graines qui se fendent. C'est la même chose aussi. El falaq, c'est-à-dire qu'il fend. Cette lumière du jour, elle vient, elle fend la nuit. Min sharri ma khalaq,
ça englobe tout ce qu'Allah a créé, comme homme, comme djinn, comme animaux. Donc, il demande protection contre tout ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a créé. Là, c'est une protection générale. Min sharri ma khalaq. Quand Allah ta'ala a dit min sharri ma khalaq, c'est avant tout, tu demandes protection contre ton propre mal. Car toi aussi, tu es une créature d'Allah. Min sharri ma khalaq. Allah khalaqak. Est-ce que vous entendez pas la khutbat al-hajah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait? Et on demande protection à Allah contre le mal, notre propre mal. Et Allah, et en vérité, le plus grand mal, des fois, il vient de nous-mêmes. Notre âme bestiale, c'est notre plus grand ennemi. C'est elle qui répond à l'appel de Shaitan ou qui refuse. Et c'est elle, nafs, cette âme, elle appelle au mal. Illa ma rahima rabbi. Sauf peu, hein. Car cette âme bestiale, elle appelle au mal. Elle appelle à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala protection contre le mal de ce qu'il a créé, en premier lieu contre ton propre mal, contre le mal des djinns, contre le mal des hommes, contre le mal de Shaytan, contre le mal de l'enfer. Tout ceci, c'est ma khalaq. Ça rentre dans ma khalaq. Ici, il a donné la généralité. Puis après, il a spécifié certaines créatures dont on craint le mal. Après avoir donné la généralité. Min sharri ma khalaq, c'est général. Puis il a spécifié. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri nafathati fil uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Tout ceci, ça rentre dans min sharri ma khalaq. Tout ceci rentre dans le mal de ce qu'Allah a créé. Tout le mal qu'Allah a créé. Et d'ailleurs, nous, Ahl Sunna wal Jama'a, on sait que le mal, c'est Allah qui l'a créé. Walakin la yunsabu sharru ilayh ta'adduban. Le mal, on l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa sharru laysa ilayk. Et le mal ne t'appartient pas. Donc, ce n'est pas comme le Mu'tazila. Le Mu'tazila, à cause du mal, ils ont dit, les actes des hommes, c'est les hommes qui les ont créés. Pourquoi ils en sont venus à dire ça? Parce qu'ils ont voulu, tanzih. Ils ont voulu éloigner le mal, le manquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Éloigner toute caractéristique de manquement et de faiblesse à Allah. Mais ils ont fait ça avec leur raison. Ils n'ont pas fait ça avec le Coran et la Sunna. Et c'est pour ça qu'ils se sont égarés. Ils sont tombés dans quelque chose de plus grave. Ils ont voulu éloigner le mal d'Allah. Ils ont affirmé qu'il y a plusieurs créateurs sur terre et dans l'univers. Ils sont pires que les Majus. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit Majus hadi l'umma. Les Zoroastriens de cette communauté. Parce que le Majus, ils disent qu'il y a deux créateurs à cet univers. La lumière et l'obscurité. La lumière, elle crée le bien et l'obscurité, elle crée le mal. Amma al-Mu'tazila, ils disent qu'il y a des millions de créateurs dans cet univers. Pas deux seulement. C'est-à-dire, ils sont pires que le Majus. Car ils disent que chaque créature, elle crée ses propres actes. Et qu'Allah, il n'était pas au courant, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Tu t'imagines la gravité de ce qu'ils disent? Ils ont voulu en cela nier que Allah ait créé le mal. Naam. Ce qui est mal pour nous, dans l'absolu, ce n'est pas mal. Quand on dit le mal, c'est un mal pour nous. C'est un mal pour celui qui le subit. Mais dans l'absolu, ce mal-là, il y a un bien derrière. Il y a une hikmah, il y a une sagesse. Allah Ta'ala, il n'a pas créé sans sagesse. Cette sagesse derrière, c'est quoi? Pour un bien qui est plus grand. Ce bien qui est plus grand, c'est pour nous éprouver. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Il a créé la mort et la vie pour nous éprouver, voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. واضح ان شاء الله. Donc quand il a dit min sharri ma khalaq, du mal de ce qu'il a créé, wa min sharri ghasiqin idha waqab, et du mal de la nuit quand elle vient, quand elle tombe. Pourquoi la nuit? Pourquoi il a dit wa min sharri ghasiqin idha waqab, l'obscurité la nuit? Parce que c'est le moment où les shayatin ils se répandent, c'est le moment où les gens qui veulent faire du mal ils sont en cachette. Donc, c'est un moment où il y a plus de mal, où on a plus besoin de demander protection à Allah tabaraka wa ta'ala contre le mal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas laisser les enfants dehors à l'heure du coucher du soleil et de ne pas laisser les fenêtres et les portes ouvertes à l'heure du coucher du soleil. Attendre que le soleil se couche bien. Après, une fois qu'il s'est bien couché, on peut après les laisser ressortir. Naam. Car c'est le moment, comme on a dit, que les mauvaises âmes, les djinns, les shayatin, ils se répandent. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Donc le mal qui peut venir dans la nuit et qui nous couvre. Ghasiqin, c'est ce qui vient couvrir donc les hommes. Et c'est le moment aussi, on a dit, donc que les mauvaises âmes se répandent, les shayatin, et aussi les bêtes féroces. Il y a certaines bêtes venimeuses qui
se répandent la nuit, qui viennent piquer les l'humain ou bien le mordre dans la nuit. Naam. Wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Ici, an-naffathati, il est venu au pluriel féminin. Et les savants ont divergé sur ce point-là. Est-ce que ici, an-naffathati, c'est les femmes qui soufflent ou c'est les souffles en eux-mêmes? Si ça parle des souffles en eux-mêmes, dans ce cas-là, ça parle de tous ceux qui soufflent, que ce soit un homme ou des femmes. Donc, il ne parle pas des femmes sorcières ici, mais il parle de tous les sorciers, en général. An-naffathat, c'est-à-dire les souffles des sorciers. واضح اما اذا كان يقصد بالنفاثات les femmes qui soufflent, les sorcières qui soufflent sur les nœuds pour faire des sorts. Pourquoi? Parce que غالبا, car en général, c'est plus répandu chez les femmes. C'est comme ça que les mufassirun expliquent cela. نعم. Ça veut dire quoi? النفاثات في العقد. ينفثن في العقد. أو ينفثون في العقد. Ils soufflent sur les nœuds. Qu'est-ce qu'ils soufflent? Des paroles de shirk, des invocations des djinns, des invocations des shayatin pour jeter des sorts à la personne qui est visée. Naam, c'est ça an-naffathati. C'est ce que font les sorciers. Ils disent des paroles d'associationnisme ou de polythéisme. Ils invoquent les grands parmi les djinns, parmi les shayatin. Ils invoquent les morts. Ils disent des paroles spécifiques ou des insultes à Allah ou des insultes au Coran, des paroles qu'Allah déteste. Car il faut savoir une chose, barakallahu fikum. Les shayatin, les satans, les démons, ils ne travaillent pas avec un sorcier gratuitement. Ils ne sont pas au service du sorcier gratuit. Avant de travailler pour lui, il faut que le sorcier il paye le prix. Quel est le prix? C'est le kufr et le shirk. C'est ça le prix à payer. C'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant des deux anges, Harut et Marut, quand il dit dans Surat al-Baqarah, verset 102, dans le sens des versets. Donc Allah ta'ala les a envoyés comme tentation pour les hommes. Mais ils leur ont dit, attention, si on t'enseigne ça, ceci, la sorcellerie, tu vas devenir mécréant. On est une tentation pour toi. De même, un sorcier ne peut être sorcier que quand il donne une rechoua, un pot de vin à Shaitan. Son pot de vin, c'est quoi? C'est le shirk. C'est le kufr. C'est faire des choses où il rabaisse le Coran, la parole d'Allah. Il fait des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus il fait des actes blâmables et détestables et odieux, et plus il s'approche avec ses actes de shaitan, c'est une manière d'adorer le shaitan. Jusqu'à il y a certains sorciers repentis au Yémen qui disent que le shaitan, quand il passe plusieurs degrés, après les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent des enfants et ils les mangent. C'est une manière, ils font ça en obéissance au shaitan. Et plus ils font des actes odieux de shirk, de kufr et de turpitude et de saleté, et plus ils sont sales, et plus ils sont proches de Shaitan. Tout le contraire des Ibad al-Rahman, des serviteurs du miséricordieux subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu trouveras souvent les sorciers, ils sont isolés, ils ont des enfants handicapés, même eux ils ont des handicaps spéciaux, car Allah ta'ala dit, celui qui s'écarte de mon rappel, celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie misérable, et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Donc, ces sorciers-là qui soufflent, ceux qui soufflent, c'est quoi? C'est des incantations, des paroles où il y a du shirk. Fil uqad, dans les nœuds. Comment ils font cela? Sous plusieurs manières. Aussi, si vous entendez quelqu'un qui demande votre nom et le nom de votre mère, sachez que c'est un sorcier ou qu'il va aller voir un sorcier, car c'est comme ça qu'ils reconnaissent où il faut jeter le sort. Est-ce qu'il faut le mettre dans l'eau? Est-ce qu'il faut le mettre dans l'air? Est-ce qu'il faut le mettre dans la terre ou est-ce qu'il faut le brûler? Ils font une combinaison avec votre nom et le nom de votre mère et ils font des calculs avec chaque lettre, elle équivaut à un chiffre. Après ces calculs-là, ils vont vous dire, est-ce que ce nom, c'est un nom d'eau, un nom de terre, un nom d'air ou un nom de feu? Et selon ça, la sorcellerie, ils vont la jeter ou dans l'air, l'accrocher à un arbre, ou la mettre sous la terre, ou la mettre dans un puits, ou la brûler. Wadeh. Donc attention, si quelqu'un vous dit, le nom, ton nom et le nom de ta mère, je vais te faire ruqya, dis-lui barakallahu fik. Hein? Ou dis-lui pas barakallahu fik, dis-lui a'adhu billahi minash shaitani rajim plutôt. Naam. Tayyib. Wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Donc, c'est les sorcières qui soufflent sur les nœuds. Et comme on a vu dans l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sorcier qui avait soufflé sur des nœuds, qu'il avait mis dans le puits. Et d'ailleurs, subhanallah, certains qui avaient fait justement la combinaison du nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa mère, ils avaient dit que c'était un nom d'eau. D'où il l'a mis dans le puits. Même avant, ils utilisaient ces méthodes, subhanallah. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux quand il envie.
Car l'envieux, son danger, c'est quand il envie. Quand il envie pas, quand il ne t'envie pas, le danger, il n'est pas palpable. Il n'est pas encore, tu n'es pas en danger. Mais le danger, c'est quand il t'envie. L'envieux, c'est quoi l'envie? Al-hasad, l'envie, la jalousie, la mauvaise envie, c'est quoi? Il y a deux catégories. Ou une personne qui espère que le bien qui t'a touché, tu le perdes. Il espère que tu perdes ce bien que tu as. Mais il ne fait rien pour cela. Il n'agit pas. Il ne va pas essayer de faire en sorte que tu le perdes. Juste, il espère cela. Le deuxième, c'est celui qui espère que tu perdes ce bien que tu as. Il fait les causes pour que tu le perdes. Wadih ? Le deuxième est pire, mais le premier est déjà interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'œil il est vrai, c'est une véracité, le mauvais œil. Donc quelqu'un qui te regarde avec envie, dans ce sens-là, l'envie c'est ce sens, c'est le sens qu'il espère que tu perdes ce bien. Pas l'envie d'avoir la même chose que toi. Si quelqu'un il aimerait bien avoir la même chose que toi, mais il n'espère pas que tu le perdes, ça il n'y a pas de mal. S'il aimerait bien avoir la même chose que toi, mais sans espérer que tu le perdes. Même si c'est une chose mubaha, des choses licites de ce monde. Par exemple, tu as une belle voiture, il dit « Ah, j'aimerais bien avoir une belle voiture comme lui. » Mais il espère pas que toi tu perdes ta voiture. Il est content pour toi que tu aies une belle voiture. Ça, il n'y a pas de mal en cela. Bi-idhnillah. Mais la vraie envie pour laquelle tu es récompensé, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il n'y a nulle envie récompensée, sauf dans deux. Une personne à qui Allah a donné le Coran, avec laquelle il agit la nuit et le jour, c'est-à-dire qu'il prie la nuit avec et il juge entre les gens, le jour avec, et une personne à qui Allah a donné des biens et qui le dépense dans les bonnes voies la nuit et le jour. Donc ça, c'est une envie pour laquelle tu es récompensé. Dans le sens où tu aimerais faire les mêmes actes que cette personne. Tu aimerais toi aussi t'approcher d'Allah comme lui. Mais attention, si tu espères que lui arrête de faire ça, là tu tombes dans la jalousie et l'envie interdite. Si tu espères que lui diminue dans ce bien-là, ça c'est interdit. Par contre, c'est normal que tu espères même faire mieux que lui. Ça, c'est la concurrence dans les bonnes œuvres. Par exemple, tu peux espérer, Inch'Allah, je vais apprendre plus que lui et je vais donner, fisabilillah, plus que lui. Mais jamais avec la jalousie, c'est-à-dire où tu es content quand il fait moins. Tu es heureux quand il fait moins. Et tu espères qu'il fasse moins pour le dépasser. Non, ça, c'est interdit. Tu dois l'encourager à faire plus, tu dois être content pour lui et tu dois même invoquer Allah Ta'ala qui lui permette de faire plus. Et en même temps, tu demandes que toi, tu fasses plus que ça. Car c'est normal qu'on se concurrence dans les bonnes œuvres. Ça, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Naam. C'est important, comme on va voir à la fin, on attend après Sourate An-Nas de parler de l'importance de se protéger, etc. De demander protection contre toutes ces choses-là. Car des fois, le mauvais œil aussi du jaloux, ça peut venir justement des gens, ils ont un mauvais œil. C'est des gens jaloux, ils sont mauvais. Dès qu'ils regardent quelqu'un, subhanallah, ils... A'udhu billah, c'est comme s'il lui a jeté une flèche directement. Sallallahu salam wa la'afiya. Bi-idhnillah, c'est Allah Ta'ala qui a voulu cela pour l'éprouver lui et pour éprouver ceux qui sont touchés par cela. C'est pour ça que, barakallahu fikum, il faut nettoyer nos cœurs de cette maladie qui est la jalousie. Wallahi, la jalousie. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la jalousie, c'est celle qui rase, qui enlève. C'est pas haliqat, celle qui rase les cheveux, celle qui enlève les cheveux, mais c'est celle qui enlève le din, la religion. Donc la jalousie, barakallahu fikum, c'est une maladie qui est répandue et qui est dans les cœurs, qui est pire que le cancer, car le cancer, c'est une maladie du corps que tu vas laisser en mourant. Mais la jalousie, c'est une maladie qui peut te faire être, ce qui peut faire que tu mérites à cause de cela le châtiment de l'enfer. Donc c'est une maladie, barakallahu fikum, dont il faut se soigner. Il faut aimer le bien pour ses frères et ses sœurs. Et on espère même le bien pour les koufars, même si on les déteste pour Allah, mais on espère leur guider. On espère leur guider, comme on espère la guider des mubtadi'a, des innovateurs, mais on les déteste pour Allah, on ne s'assoit pas avec eux pour Allah, on se désavoue d'eux pour Allah, mais on espère leur guider. Il y a une différence entre espérer le bien pour quelqu'un, vouloir pour le bien pour quelqu'un et l'aimer. Aimer et détester, c'est pour Allah. Mais on peut quand même espérer le bien même pour quelqu'un qu'on déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et avoir de la miséricorde pour lui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même pour les animaux. Alors, min babi awla, encore plus pour les êtres humains, quels qu'ils soient. Naam. Barakallahu fikum. Ça c'est une réponse, cette surah, à ceux qui renient que la sorcellerie elle existe. Ceux qui disent, non, la sorcellerie, il y a des nouveaux maintenant, aqlaniyin, comme on les appelle, l'aqlaniyin, les gens qui jurent que par la raison. Ils ont voulu faire une explication du Coran, lié à la raison, c'est les nouveaux Mu'tazila, modernes, d'accord ?
Ces Mu'tazila modernes, ils renient la sorcellerie, ils essaient d'expliquer toutes choses de l'invisible avec des choses matérielles. Les djinns, c'est l'électricité, je ne sais quoi. Ils veulent tout expliquer de l'invisible par des choses matérielles. La sorcellerie, ils la renient, ils disent que ça n'existe pas. Massoul djinn, pour eux, qu'un djinn il touche l'être humain ou il rentre en lui, pour eux, ça n'existe pas. Tout ça, ça a des explications psychologiques pour eux. C'est psychologique, etc. Nous, on ne renie pas. Attention, on ne tombe pas aussi dans d'autres excès. Dès que quelqu'un y a quelque part qui le gratte, ah, j'ai un djinn. Dès qu'il a mal quelque part, j'ai un sihr. Il n'arrive pas à faire quelque chose, on m'a jeté l'aïn. Ya Rabbi, subhanallah. Mais ils ne vivent que dans ça, les gens. Pour toutes les deux secondes, ya shir, ikra alayya, lis dans l'eau. Ils ne connaissent que ça, lire dans l'eau. Comme, allez, subhanallah, on dirait que c'est comme ils cherchent la baraka. Ils viennent chercher les armes, la baraka du shir. Et c'est comme ça que le shir qui s'installe, barakallahu fikum. Alors, quel intérêt quand Allah Ta'ala a dit, wa min sharrin nafasati fil uqad. Ça veut dire quoi si ça ne veut pas dire la sorcellerie? Avec le hadith sahih qui vient prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé de cette manière-là. Alors ceux qui renient la sorcellerie, en vérité, ils renient le Coran. Ils renient le hadith, la sunna sahiha. Mais la sorcellerie, elle a effet que par la volonté d'Allah. C'est une épreuve qu'Allah a voulu pour ceux qui se font la sorcellerie et pour ceux qui sont touchés. Ceux qui font la sorcellerie, ils vont mériter par la cause de cela l'enfer éternel. Et ceux qui sont touchés, qui s'en reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ils vont gagner bi'idhnillah avec ça le paradis. Il y a combien de personnes, en vérité, le fait d'être ensorcelé, pour eux, c'est un bien. Car tu les vois, ils sont constants dans les adorations. Ils lisent le Coran constamment. Ils s'en remettent souvent à Allah. Alors que s'il n'était pas ensorcelé, il était loin du chemin de la religion. Il y a beaucoup de gens que je connais que c'est la cause de la sorcellerie qu'ils ont été constants dans l'islam. Et qu'ils se sont accrochés à la sunna. Et qu'ils se sont attachés au dhikr, à l'évocation d'Allah. Donc, alhamdulillah, en fait, c'est un bien pour cette personne. Car ça l'a aidé à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être sans ça, il n'aurait jamais obéi à Allah subhanahu wa ta'ala autant. Donc, peut-être que vous avez de l'aversion pour une chose, alors que c'est du bien pour vous. Wallahi, le plus important, barakallahu fikum, c'est le din. Quoi qu'il t'arrive, si ta religion n'est pas en manque, ça veut dire que tu es dans le bien. Quoi qu'il t'arrive, si ta religion est en manque, ça veut dire que tu es dans le mal. C'est ça, c'est à ça qu'on reconnaît le bien et le mal. On ne reconnaît pas le bien et le mal au malheur qui nous touche. Les malheurs, ils ont touché même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Tayyib, certains vont dire, mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas préservé, protégé par Allah? Allah Ta'ala lui a dit, Allah te préservera des gens et Allah te protégera des gens. Tayyib, hadhihi al-isma, elle n'est pas globale dans toute chose, cette protection. Cette protection, elle est du fait qu'il soit touché dans sa raison. Elle est du fait qu'il est protégé de l'erreur dans la transmission du message. Elle est du fait qu'il est protégé d'être tué ou d'être blessé au point de ne plus pouvoir transmettre le message. C'est-à-dire qu'il était protégé pour venir faire sa mission. Tout ce qui était lié à sa mission, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des qualités physiques ou des situations, Allah le protégeait par rapport à cela. Mais en dehors de cela, comme tout homme, il n'était pas protégé de la maladie, d'être blessé. Est-ce qu'il n'a pas été blessé à la bataille de Uhud? Est-ce que sa dent ne s'est pas cassée? Donc de même, il a été ensorcelé, mais alhamdoulillah, ce n'a fait que augmenter sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et augmenter sa récompense. Et même il a été empoisonné, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit que la cause de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce poison qui a redémarré. Ça veut dire qu'Allah, il a voulu donner, en plus de sa grande valeur, la valeur de mourir martyr, sallallahu alayhi wa sallam, car il est mort par la cause du poison, qui a repris effet par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah lui a fait cela pour lui redonner, justement, pour lui donner encore une plus grande valeur dans sa mort, de mourir avec shahada, le martyr, car il est mort à cause de ce poison, cette femme qui l'avait empoisonné avec cette viande, cette femme juive. Naam. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui, il est préservé. Comme tous les prophètes, ils sont préservés. Préservés, premièrement, leur personne est préservée jusqu'à ce qu'ils transmettent le message. Car c'est ça l'objectif pour lequel ils ont été envoyés. Deuxièmement, leur raison est préservée d'être touchée par la folie ou d'être touchée par l'oubli, etc. Pour pouvoir justement bien transmettre le message. Leur personne est préservée aussi, Allah Ta'ala les a préservés d'avoir des manquements dans leur moralité et dans leur caractère,
qui ferait qu'ils ne méritent pas cette place et ce message et cette révélation. Et Allah Ta'ala aussi les a préservés de l'erreur dans les décisions religieuses et dans les sentences religieuses. C'est ça l'isma qui est liée au messager, alayhi salatu wassalam. Naam. Mais ils peuvent, dans des choses matérielles, se tromper, car ça reste des êtres humains. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans Sahih al-Bukhari, et dans d'autres aussi versions, quand il est arrivé à Al-Madinah, et que les gens, ils avaient l'habitude, les gens de Médine, ils cultivent quoi? Les dattiers, n'est-ce pas? Et ils avaient l'habitude de rapprocher, ceux qui connaissent les dattiers, ils connaissent ça, les dattiers mâles aux dattiers femelles pour pouvoir avoir encore des dattiers. Telqih, ils appellent ça, ou ta'bir, ça se dit les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant à côté d'eux, il a dit, je pense pas que ça va changer quelque chose, une parole dans ce genre-là. Vous le fassiez ou vous le fassiez pas, ça ne changera pas grand-chose. Alors eux, ils ont cru que c'était une sentence religieuse, ils ont délaissé. L'année d'après, ils n'ont pas eu des dates comme prévu, comme d'habitude. Alors ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont énoncé l'histoire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je ne suis qu'un être humain, et je peux me tromper, si je vous ordonne une chose de votre religion, prenez-le. Il a bien montré que ça, c'était une chose parmi les choses de la vie, c'était pas une révélation, ce n'était pas un ordre religieux, et il a pu justement se tromper sur cela. Wadih, inshallah. Mais tout ce qui est d'ordre divin, tout ce qu'il y a des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans les choses de la vie de tous les jours, mais on sait qu'on comprend de là que c'est un ordre ou une interdiction, alors on est obligé de le pratiquer, on sait que ça vient de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Pourquoi on a parlé de ça? La cause de la révélation de ce verset, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie, ça, ce n'est pas contradictoire au fait qu'il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala.